Bon, eh bien, ça y est, on a signé à la Title Company pour les participants de notre formation, donc Investment in Florida. Regardez, oh, le bien, il est juste là derrière. Eh bien, on a récupéré les clés et donc eh bien, je vais aller vous faire voir comment c'est à l'intérieur. Comme ça, on va faire un petit avant-après, tout ce qui va être fait, tout ce qui va être changé pour ce condominium. Voilà, allez, c'est parti. Donc ici déjà il va y avoir une peinture qui va être refaite. On va changer donc ce système, ici ils en ont partout, et on va même changer les clés parce que bon ben voilà, on ne sait pas si il y a eu des doubles de clés ou pas, donc on préfère jouer la sécurité. Ici le plafond va être repeint, comme vous pouvez voir cette petite trace, voilà, ça n'a pas été bien fait. Donc tout le plafond va être repeint, les murs aussi. Tout ce qui est, bien sûr, ben, les petits trous, comme vous pouvez voir, vont être rebouchés et on va faire peinture. Donc avec une décoration qui va être à thème. Et ça, on vous garde la surprise. La cuisine. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette cuisine? On peut mettre un petit peu de lumière. Voilà. Donc, ça va être changé. Ça va être changé. Ça aussi, les meubles hauts, comme vous pouvez voir, vont être poncés et repeints. Le sol est nickel, donc celui-là, on va pouvoir le garder. La grille va être repeinte ici. Les chambres, pareil, ça sera repeint. Donc ça, vous avez une première chambre ici. Vous avez ici ce qu'on appelle donc la laveuse et la sécheuse. Hop, qui est dans le placard, toujours. Ici, c'est la partie climatisation. Hop, là-dedans. Encore un petit placard. Une autre chambre, donc pareil, qui va être repeinte. On va tout enlever, on va boucher les trous, que ça soit bien remis. Hop, la salle de bain. Pareil, la salle de bain. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette salle de bain? Là, l'évier est nickel. Donc là, ça va être un bon gros coup de nettoyage. Pareil, peinture. La suite parentale, donc une grande suite. Pareil, plafond qui va être repeint. Vous voyez les traces qu'il y a eu ici. Il y avait eu un problème d'humidité, de clim avant. Le dressing qui est ici. Et on va avoir donc l'autre salle de bain qui est ici. Où on va changer miroir. On va changer, vous voyez, vasque. Parce que ça, c'est rouillé, nettoyé. On va voir ce que ça va donner aussi au niveau des placards, ce que l'on va faire. Le toilette. Donc voilà, on est dans un condominium 3 chambres. Voilà, condominium 3 chambres. On est à 15 minutes des parcs. Donc on sait que ça se loue très bien sur ce secteur-là. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi d'acheter ce condominium. Donc voilà, vous avez tout vu. La suite au prochain épisode, au démarrage des travaux. Allez, ciao tout le monde. Salut à tous. Écoutez, c'est fini, donc maintenant je vais pouvoir vous faire voir le logement qui va être en location dès la fin de la semaine ici à Kissimmee, donc à 10 minutes des parcs d'Orlando. Donc allez, je vous fais voir, vous avez vu l'avant et maintenant vous allez voir. Allez, on rentre. Et bien sûr, qui c'est qu'on trouve? Ben, c'est Monsieur Stitch, puisqu'on est sur le thème un petit peu Hawaï, Lilo et Stitch. Hop. Regardez ça. Et là, écoutez-moi ça. Eh oui, Lilo et Stitch, c'est Elvis Presley. Voilà, le mur, la télé. Alors, il faut savoir que il y a eu de la décoration qui a été, comme on dit chez nous, chinée, donc sur Marketplace, parce qu'ici, Marketplace marche énormément. Alors, les canapés, tapis, non, ça, c'est du neuf. Table, chaise a été pris sur Marketplace. Ça aussi, la télé non est neuve, tout ça aussi sur Marketplace. Voilà, regardez-moi ça. Tac, on peut loger jusqu'à 10 personnes. Cafetière, thé, café, style Hawaï. Nous avons Mr. Stitch qui danse, il y a la musique. La cuisine, donc les placards du haut, tout a été repeint. Ceux du bas ont été changés et repeints parce qu'ils étaient pourris. Les plans de travail aussi changés. Là, cette partie-là, tout a été repeint. On a repeint, bien sûr, mais tous les murs, comme vous pouvez voir de ce côté-là. Allez, nous allons voir la première chambre. Et là, on est dans le monde de
Peter Pan. Regardez-moi ça. Hop, avec le petit filet. Hop, le petit détail, il a fait clochette. Hop, mais où il est? Et il est là, Peter Pan. Voilà, là, donc là, il va avoir deux enfants dans la cabane. Vraiment. Voilà, pareil, les murs ont été repeints. Cabane d'occasion trouvée. Deuxième chambre, on est chez Vaiana. Voilà, pareil, peinture refait, lit, pareil, chez Marketplace. Ce lit-là aussi. Tac. Comme vous pouvez voir, il y a toujours des placards intégrés. Vous pouvez même rentrer dans les placards. Hop, la climatisation partout, bien sûr. Hop, on va d'abord aller dans la salle de bain. Pareil, mur repeint, miroir changé. Pareil, trouvé chez Nissan Marketplace. Bon, non, le rideau, celui-là a été pris en magasin quand même. Hop, la suite parentale. Voilà, avec la déco. Lit king size. Et le joli palmier avec la télé, bien sûr, parce qu'ici, toujours une télé dans les... Dans les suites parentales. Donc pareil, tout repeint, le plafond a été repeint pour rester dans les couleurs. Et là, pareil aussi, hop, tana, miroir, donc les murs ont été repeints en bleu, un autre miroir chiné. Voilà, l'autre toilette. Voilà. Tous les travaux, vous avez vu comment c'était avant, comment ça a été fait après. Donc ça a duré à peu près deux semaines, un petit peu plus de deux semaines. La mise en place est terminée, il reste à faire deux, trois lits. Mais ça c'est tout, femme de ménage a été vue hier, a été checkée. Donc 10 minutes des parcs pour venir à Disneyland. Voilà, vous avez en plus dans ce condominium, vous avez la piscine, la salle de sport. Vous avez, qu'est-ce que vous avez d'autre, petite salle de jeu où vous pouvez vous mettre. Donc voilà, vous avez absolument tout pour venir passer des vacances au top ici. Salut Stitch. Et voilà, et vous allez voir ça très très bientôt. Allez, à plus pour le prochain logement qui devrait arriver d'ici quelques semaines. Allez, ciao tout le monde.